Christian Lariette, donc je suis fait partie de la cellule de recrutement professionnel du LOSC avec la responsabilité du recrutement sur le continent africain. Ce genre d'événement permet de regrouper, je dirais, une grande partie en tout cas des talents du football camerounais. Et pour nous, c'est l'occasion sur 4 ou 5 jours comme ça de pouvoir, dans des très bonnes conditions, voir justement ce genre d'événement. Il y a toujours une progression de fait, puisque forcément, il y a une année supplémentaire d'entraînement. Voilà, mais c'est vrai que, ne serait-ce qu'aux brasseries, on sent qu'il y a toujours un travail qui est fait. Et peut-être qu'il n'y a pas le Ganago cette année qui est sorti l'année dernière, c'est vrai. Mais voilà, il y a toujours un travail de fait, c'est pour ça qu'on vient. Mon travail, c'est d'abord d'avoir une première vision du garçon ici sur place. Le deuxième temps, c'est d'essayer de récupérer de la vidéo pour... essayer de le montrer à mes collègues et qu'après, dans la vie commun, on décide de faire venir le joueur à l'essai pour qu'il vienne sur place, qu'on puisse l'avoir 2-3 semaines à l'entraînement pour avoir un avis définitif et espérer le faire signer si on est tous d'accord. I have seen here, it's the best academy, but even in smaller academies, as I said, there are individuals who can be something in the future. I feel that they want to play a lot. They are not aggressive. They are good with the ball. They are trying to make some dribbles, some fake movements. Maybe sometimes there is a lack of tactic in the back. Sometimes it seems that they don't know how to defend very well. But this is things what can be taught later. Can be. But their nature is to play, to dribble. I like it. Par rapport au tournoi, c'est vrai qu'il y a quand même de la qualité. On a pu voir des joueurs voilà, qui pourraient correspondre à des profils qu'on recherche, que ce soit pour moi ou comme pour d'autres recruteurs, on en discutait ensemble. Après, voilà, y a beaucoup de paramètres aussi qui rentrent en compte. Donc après, il y a tous ces paramètres, on doit discuter aussi avec le club. Moi, je dois aussi rapporter ce que j'ai vu. En tout cas, tout ce que je peux rapporter, c'est qu'il y a de la qualité. Et je pense qu'il faut continuer à venir observer dans les pays africains. Le fait de revenir à ce tournoi me fait énormément plaisir. Je suis très content d'être là, de regarder les autres jouer. Et... dommage que les petits n'ont pas pu arriver en finale, mais bon. Il y a les U18 qui sont en train de jouer là, j'espère. J'espère pour eux qu'ils vont gagner ce match et rentrer avec le trophée. L'année dernière, j'étais le meilleur buteur. J'avais marqué 7 buts. Et cette année, on a battu mon record. Mon record, il a été battu avec 8 buts déjà. Peut-être qu'il va marquer encore. Moi, ça me fait très plaisir de voir les gars jouer, de revenir enfin à l'une, pour voir encore cette fête, cette joie. Moi, ça me fait trop plaisir de voir cela. Et quand je vois mes gars jouer, ça joue bien.
et ça me fait plaisir. Bon, ça nous fait plaisir d'être revenu ici là aujourd'hui pour participer à cette finale des U18 et nous devons très bien les encourager pour qu'ils puissent nous démontrer qu'ils ont le courage de remporter ce tournoi de Limbé. On a bien préparé notre tournoi, on était ensemble, on a fait tout ça, l'état d'esprit était là. Oui, il y avait des moments difficiles, mais on a supporté jusqu'à maintenant. Moi, je dirais que c'est une belle satisfaction, mais je dirais que surtout c'est une victoire qui est méritée parce que tout au long de la semaine, ils ont survolé les matchs, ils sont sortis sans aucun but encaissé. Ils ont donné une bonne image d'eux-mêmes et de l'école de football, donc je pense que la victoire est méritée. Bon, maintenant, une finale, c'est toujours difficile. Ils s'en sont sortis, c'est une bonne chose. Oui, leur perspective, c'est que pour nombre d'entre eux, c'est leur dernière saison au sein de l'école de foot. Donc, il leur reste un dernier challenge, l'Easter Cup. Ils ont gagné au mois de juin dernier le challenge Remedy Tap, ils ont gagné aujourd'hui le tournoi de Limbé. Et il faut savoir qu'aucune promotion n'a réussi à gagner les trois, donc le prochain challenge, c'est d'essayer de gagner l'Easter Cup. Ça, c'est pour leur palmarès, pour les souvenirs qu'ils garderont à l'école de foot. Et puis après, sur le plan personnel, pendant toute la semaine, ils sont mis en évidence. Et donc, j'espère que pour eux, qu'il y aura des débouchés dans les semaines à venir. Ouais.